confondre en démenti et tout a intervenu et sous la presse pour dire c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Évidemment, Lovensky, et m'pa kwè gen moun ki t'ap atann, et pou, PM nan vin di se vre m te bay kòb, sa tap on non-sens, hein, pou PM nan ta vin di m te bay kòb, et sénateur yo monte desann et nan radio pou yo di non, non, on seul et wè m panse yo fè, yo te dwe antann yo sou demanti ke ap fè, parce que l'entendé chaque nous ouais gagne des bagages qui pas marché pas correspondent gagne des explications au bail qui pas valable comme pouillon alors c'est un coup gagne qui dit il était dans un compte pas de gagne premier ministre bon l'autre qui dit premier ministre là donc bagayo et me penser il était doit entendre sous en réponse collective à apporter mais les chaque vient démenti comme ça bagayo passé très mal et où connaît l'ordre avocat sous devant juge chaque mon a dit en parole il a presque pensé que la vérité Étienne elle n'est pas au fond du puits li devant nous scandale là li grave ça n'apprend yo en tout cas et moi-même tout Lovensky j'en me dis dans semaine à partir de informations plus que pertinentes que nous gagnons et sous causé si là que c'est Sorel Jacette qui était premier mettez le dehors, nous pensons si t'as une commission. Oui, y'a qu'à attendre tout le monde, même moi, m'a baillé information sous ça, et y'a nous tendez. Le problème, non, c'est que, y'a parlé de sénateur, alors, m'te dit, dans l'émission Intersection, hier et avant-hier, Lovensky, et l'opposition, en tout cas, les sénateurs de l'opposition, y'a joindre information, yo, mais gagné, principale information, son sénateur même, qui recevoit l'argent, qui vient expliquer, sénateur opposition, yo, ça. Il vient expliquer, yo, ça. Mais peut-être, pour qu'à poser question, pour qui ça l'explique, yo, c'est parce que lui-même, on dirait que, lui pas trop satisfait. C'est pas pour mon temps, non? C'est pas pour mon temps, c'est le fait que, gain de l'autre en plus de montant qui joigne l'autre bagaille alors que lui-même lui était mandé que au pas de bail. Bon, explication que le bail sénateur lui d'ailleurs le vin joigne sénateur opposition dit que l'argent sénateur était dans machine Miller. Tout l'argent était dans machine. Le problème c'est que lui dit rencontre là t'est faite lycée premier moun qui prend l'argent, gen l'autre qui vient prend, etc. Et que gen pat la qui mande sénateur kap organise rencontre la Kaelia pour le prend pal pour lui. Et gen l'autre même, m'entendez, qui li yote nan discussion préalable que le te gen à équipe PM nan, yote déjà ballon ministère. Au ballon ministère, mais les rencontres là, fait, il tendait l'argent, il pétait qu'aucun le dit folgué, il dit non, ou bon ministère, ah, ou a dit, il est même reblevé, il dit folgué comme tout. Bon, s'il tendait reblevé, et puis, pour le jouer, folgué comme tout. Bon, l'autre sénateur qui vient paraître, il dit, alors le pape sous recevoir l'argent, c'est information sénateur qui recevoir comme là, bail sénateur opposition yo ken ap di la sénateur avin paret li pété coquin li di que le pa il pas prend l'argent parce que gon bonne bagay yo déjà promet li nan département pal que yo pa jam fèl etc. li joué li pas prend l'argent la le fait route li apparemment et information toujours PM nan ta dépassé par bagay ça parce que 16 la ton ti jan fragile yo pas besoin perdre yon nan yo encore et yo ta rele président de la république là pour ta joindre entente très tôt nan matin yo ta rele sénateur ça qui t'est vexé la veille là pour dire OK poste ou t'es besoin hein, et y a baoul. Et puis, bon, monsieur est satisfait, et puis le tout passé,
elle prend l'argent non parce qu'elle pas voulu prendre la veille parce que il y a des lots engagements. Et scandale là t'a pété, scandale là t'a pété, c'est au moment justement sénateur ça qui vient joindre en plus de l'argent, il joindre poste là alors que grand sénateur il était joindre l'argent par là déjà mais il demande au ministère que qui semblait pas de bail. Bon, alors impété dans question si là. Donc autrement dit, est-ce que gain chance pour tout détail ça yo que sénateur a expliqué à l'opposition, pas oublier non, li vinn joindre sénateur opposition yo, c'est parce que il dit l'argent dans machine ni là. Apparemment, il dit même au fruit la donne, parce qu'il était sous pétézin, il dit même pour financer manifestation même, parce que il n'a pas respecté l'engagement. Il y a de l'autre qui joigne, non seulement l'argent, mais qui joigne bon poste tout, alors que tout pas joigne ni comme ça. Donc, c'est comme ça, et scandale là, il est dans la presse depuis deux, trois jours. Naturellement, nous tendez en pile parole, en pile sénateur qui indexé, qui est intervenu dans la presse. Et Napoué, effectivement, merci. Napoué, explication, yo, bah, là, et, mon cher, yo, pas trop convaincante sous forme que yo, pas ta joindre l'argent, en vrai. Bah, contre, qui est-ce qui joigne? Qui est-ce qui pas joigne? Mais, l'essentiel, c'est que l'agent baille. L'agent baille, pas gain menti sous ça. L'agent baille, pas gain doute sous ça. N'en déplaise à explication que premier ministre Lambaye m'entendait pour le dire que rencontre là, c'est sous des engagements, etc., qui liés à des bagailles pour mettre dans le budget, etc., ou bien pas exécuté. N'en déplaise au premier ministre, l'agent baille. Et d'ailleurs, Kedler Augustin, qui était dans la presse avant hier, lui clair, lui dit que son pratique qui courante dans le pays, et sénateur, en fait, il n'a pas voté premier ministre qu'on y a sans l'argent pas baille, il n'a pas dit le prend, non, mais il a avoué dans le passé, lui qu'on recevoit tout. Donc, c'est pour montrer que explication et premier ministre là apparemment il pas convaincante. Donc premier ministre là qui est intervenu dans plusieurs médias hier pour lui dire que pas de gain question l'argent qui t'est parlé n'a pas reprendre propos lio. Il dit je ne vais pas parler de diffamation mais il n'y a jamais eu de distribution d'argent aux sénateurs. Oui, j'avais rencontré les sénateurs membres du bloc GPRD dans la résidence privée du sénateur Wilfried Gélin. Pas oublié, il y a un sénateur qui a dit dans un premier temps que le premier ministre n'a pas été là, mais elle confiait qu'elle était là. Mais il n'a jamais été question de distribution de $500,000 américains. Les discussions se portaient sur des projets de développement et autres. Je me garde de dire tous les détails dans les discussions avec les parlementaires, mais il n'a jamais été question de monnayer, vote, etc. Ces déclarations, Premier ministre Jacques et Premier ministre Fritz William Michel, et nous t'étendons plusieurs autres intervenus, sénateur Willow Joseph, pour moi, était un peu plus clair avant-hier, quand elle dit, bon, écoute, non pays aussi dit, et rase dans le à tout le monde, comment pour vous bailler comme pour ne pas apprendre, non, etc. Donc, Willow était un peu plus clair, mais apparemment, yo, et bagarre là tellement scandaleux, yo mettait Willow en situation pour l'obliger à venir rétracter, venir dire non, il n'a pas dit le prend, etc., etc. Kedler Augustin t'est intervenu tout, Jedon Lima t'est intervenu, Pierce Moun, Jacques Sauveur Jean t'est intervenu tout. Pièce moun pa di que yo prend l'argent. Alors sous question si là gagnant et sénateur Yuri la Tortue qui écrit le bureau
du Sénat pour le demander ta grande séance spéciale qui fait sous cause ça pour ta et selon lui-même remettre commission antique et anticorruption Sénat travail ça pour la garder la vérité la donne bien que sénateur la tortue clé contre le coq. D'ailleurs, nous parlons à plusieurs sénateurs matin. On a dit, clé contre le coq, oui, comme là-bas, il n'y a pas de doute sur ça, etc., etc. Mais sénateur Latortue écrit, Karl Mira Cantave pour le deal, Monsieur le Président, par la présente, le président de la commission éthique et anticorruption vous demande de convoquer une séance extraordinaire en vue d'adresser la crise qui frappe le Parlement cette semaine et par la même occasion mandater la commission éthique et anticorruption afin qu'une enquête approfondie soit immédiatement diligentée. À noter que contrairement au dossier de la question, celui des dénonciations du sénateur Sorel Hyacinthe n'a pas encore été officiellement pris en charge par la justice haïtienne. Aussi, la commission peut valablement intervenir pourvu que l'Assemblée l'y autorise selon la même procédure appliquée à tous les travaux de la dite commission jusqu'ici. Inutile de rappeler l'indéniable gravité des déclarations fulgurantes du sénateur Sorel Hyacinthe sur la rémunération présumée de certains sénateurs contre la garantie d'un vote favorable à la ratification du premier ministre désigné Fritz William Michel. Ce constat, ajouté aux déclarations discordante, j'en ai dit là, de plusieurs élus du Sénat de la République qui ont pris les ondes radiophoniques et autres moyens pour se faire entendre, n'ont malheureusement pas rassuré la population aux abois. La seule option responsable en ces pénibles circonstances demeure l'autorégulation stricte avec des mesures conservatoires internes courageuse et la mise en place d'une investigation sérieuse qui fera la lumière sur les faits et selon les résultats permettre de sévir et de réformer. Le président de la commission éthique et anticorruption ne peut en aucun cas ignorer les allégations de corruption même si la commission doit, comme vous le savez, se soumettre aux procédures dictées par les règlements intérieurs du Sénat pour s'assurer de la validation de ses travaux, tout en maintenant l'indépendance indispensable à une enquête objective. En demeurant à votre disposition pour les suites utiles, le président de la commission éthique et anticorruption vous prie d'agréer, monsieur le président, ses salutations distinguées, sénateur Youri Latortue, président commission éthique et anticorruption et copie conforme adressée aux autres sénateurs de la République. Donc, à travers toute information captée by you, nous presque sûrs pour affirmer que sénateur Sorel Hyacinthe pas de bail menti, l'elle dit que gagne l'argent qui distribuait pour te river dans votre sila. Alors, en pile réaction par rapport à cause sila, en pile réaction, gagne et tout d'abord la fusion des sociodémocrates qui dit trop. Sans être trop, bagay ça a pas qu'à continuer comme ça, faut qu'on halte là, et avec question, ça, il traînait la République dans la boue, il dit trop, c'est trop, quelque chose doit changer dans notre pays, et Edmond Sublis Bozil, qui présidente la fusion des sociodémocrates haïtiens, qui dit, le spectacle lamentable et désolant qui a été imposé au peuple haïtien ces temps derniers, par ceux qui sont supposés diriger notre pays est tout simplement écœurant, révoltant, intolérable. Après le scandale de la dilapidation des fonds du programme Petro-Caribe, voilà que nous avons maintenant la confirmation que le pouvoir exécutif continue sans vergogne avec ses pratiques corruptrices.
les réactions maladroites et les démentis des sénateurs dénoncés par l'un de leurs collègues n'ont convaincu personne. Des rumeurs persistantes ont toujours laissé entendre que pour obtenir un vote de confiance ou de défiance pour un gouvernement, les pouvoirs publics ont pris la mauvaise habitude de distribuer aux parlementaires des enveloppes, des dons en nature, sacs de riz, tôles, voitures ou motos ou des postes divers dans l'administration ou dans la diplomatie. Des collaborateurs proches d'un ancien premier ministre dans une publication récente avait fait état de ce même genre d'existence, de ce même genre d'exigence par certains élus. Alors Edmond Supplice Abosi l'a parlé de tout ou ni, et notez ouais, non tweet que et Pascal Adrien te sorti le 100 000 $ américains, ça n'a pas étonné. Parce que même Mounsayo non yo ap cité a li songé le te gain vote de contre séant yo te mandé $150 000 américains pour te juste descendre al bay quorum nan sénat. C'est 150 ça yo pas de joine qui fait yo pas de descendre. C'est déclaration tout ou ni et déclaration et on tweet que Pascal Adrien fait dans même semaine ça. Un sénateur, pour nous tourner dans le texte, Edmond Supplice Bozilla, un sénateur a eu le toupet de confirmer publiquement qu'il a effectivement reçu $100 000 américains du premier ministre nommé, et sans aucune pudeur, il a tenté de justifier son comportement en affirmant qu'en ces temps difficiles, il n'y a aucun mal à accepter de l'argent pour voter. Pire encore, dans une émission de grande écoute, un commentateur n'a pas hésité à considérer cet aveu en point d'arrogance comme une preuve d'honnêteté. Là, Edmond Supplice a parlé de notre ami Guy Delva. Et c'est ça, Guy Delva, un autre sénateur dénoncé, en tentant de se défendre et à affirmer qu'à sa connaissance, les distributions en espèces et en nature, ainsi que l'attribution de postes sont devenues la norme. Définitivement, bon, on a parlé de Kedler Augustin, définitivement, il y a quelque chose de pourri dans le régime PHTK. Pour cette équipe, la corruption constitue le new normal, nouvelle normalité, comme diraient les Américains. À force de voter dans la corruption, les dirigeants de notre pays n'arrivent plus à distinguer le bien du mal, ni l'acceptable de l'inacceptable. Le président de la République savait parfaitement de quoi il parlait quand il disait que la corruption est le plus grand mal dont souffre notre pays, puisque c'est le trait caractéristique de l'exécutif qu'il préside. Avec une telle manière de gouverner, nous n'avons aucune chance de sortir notre pays de la malédiction de la misère et de l'instabilité politique qui le maintiennent dans la spirale de l'effondrement inéluctable. Définitivement, ceux qui, haïtiens ou étrangers, pensaient qu'on pouvait encore trouver une solution viable avec cet exécutif ou avec ce Parlement, doivent avoir l'honnêteté d'admettre aujourd'hui que trop, c'est trop. Quelque chose doit obligatoirement changer dans notre pays et le plus tôt sera le mieux. En tant que citoyenne engagée et présidente du parti Fusion des sociodémocrates haïtiens, je demande au commissaire du gouvernement d'entendre la clameur publique, les dénonciations de corruption et les aveux publics d'un sénateur et de mettre sans délai l'action publique en mouvement contre les corrupteurs et les corrompus. Nous verrons bien si les parlementaires accepteront de lever l'immunité au moins de ceux qui ont pu avouer publiquement avoir accepté de l'argent du premier ministre nommé qui a bénéficié d'un vote de confiance hâtif de la Chambre des députés. Nous verrons si le chef de l'exécutif ne fera pas obstacle à la justice et appuiera le procureur dans sa démarche visant à tracer un exemple
contre les grands commis de l'État qui ont participé à cet acte de corruption active. Il va sans dire que ce Premier ministre et son gouvernement sont disqualifiés pour prétendre conduire la politique de la nation. Alors, sous dernière phrase fusion, hein, qui dit que ce Premier ministre et son gouvernement sont disqualifiés, hein, nous apprenons que les sénateurs, les autres sénateurs qui ne sont pas concernés par ces scandales, n'ont pas parlé de groupe 4 là seulement, etc., gain de rencontre qui a multiplié là, yo justement pral sorti yon résolution pour yo, en tout cas yo pral écrit pour yo dit que avec tout scandale ça yo, Premier ministre là pas apte pour le ta même présenté nan et Sénat, c'est sous document ça que sénateur yo ap travay kounye a, yo te nan rencontre hier soir sous question si la. J'en appelle aux Haïtiennes et aux Haïtiens qui en ont marre de ces corrompus qui nous dirigent à se mobiliser pour dire avec la fusion que trop c'est trop, il faut que quelque chose change ici. Les citoyennes et les citoyens doivent s'engager pour exiger une punition exemplaire et dissuasive contre toutes celles et tous ceux qui, directement ou indirectement, ont participé à cette manœuvre de corruption avérée. Port-au-Prince, le 13 décembre 2019, Edmond Supplice-Bozil. Alors, André Michel, lui-même, lui mandait carrément à chef parquet pour saisir question corruption. Ça, André n'y va pas par quatre chemins. Il dit faut que la justice agisse. D'ailleurs, il comptait pour ton plainte lundi prochain, plainte formelle contre le Premier ministre nommé Fritz William Michel, les sénateurs Kedler Augustin, Dieudonné Numa Etienne, Jacques Sauveur Jean, Willo Joseph et Wilfried Gélin pour corruption, blanchiment des avoirs et association de malfaiteurs suite aux déclarations du sénateur de la Grandance, Sorel Jacinthe, confirmé par le sénateur Willo Joseph, révélant que 500 000 dollars américains ont été distribués au sénateur Dieudonné Numa Etienne, Kedler Augustin, Jacques Sauveur Jean, Wilfried Gélin et Willo Joseph à raison de 100 000 dollars américains chacun par le Premier ministre nommé Fritz William Michel pour le vote de sa déclaration de politique générale. Une plainte formelle sera déposée le lundi 16 septembre 2019 au cabinet d'instruction contre le PM nommé et les 5 sénateurs indexés pour corruption, blanchiment des avoirs et association de malfaiteurs. Cette plainte permettra à la justice de déterminer l'origine de cette somme faramineuse distribuée par le PM nommé aux sénateurs en échange de leur vote avant d'appliquer la sanction la plus sévère contre les coupables. Le pays ne peut plus tolérer de telles pratiques de corruption à un moment où la population n'a pas accès aux besoins sociaux de base comme la santé, l'éducation, le logement, la nourriture et l'eau potable. Le dépôt de cette plainte se fera le lundi à 11h AM au palais de justice de Port-au-Prince, ici au bicentenaire. Nous attendons les amis de la presse parler écrite télévisée en ligne. André Michel, avocat, qui annonçait, donc j'entendais là, que la pral déposait une plainte contre Premier ministre Fritz William Michel et contre les 5 sénateurs indexés non causés si là. Alors, toujours sous gros dénonciation cap gagné, nous pas dormi dans l'autre pour la presse qui datait de vendredi 13 décembre 2019 qui dit pays a trouvé li nan kalfou malement mal. Pays a marché clopi clopin dans une direction qui pas claire. Aucune institution qui t'a dû garantir droit à la vie dans pays a pas fonctionné comme ça doit. Population fait mobilisation sous mobilisation pour essayer by pays a yon souffle mais chaîne pour casser malgré peuple là pas suspendu et puis montrer
li bouke ak model gouvernail sa a, ki kale corruption, impunité et injustice sociale, régime en place la ak yon parti nan élite économique la utilise tout moyen possible pou kenbe peyi a nan impasse pou yo ka continuer riche pou prop tèt yo kont gwo majorité a. Ensemble et machination politique pour imposer pays à yon premier ministre à yon gouvernement tête en bas ka prouvé nous ça yon action qui pas respecté volonté population hein ka mandé pour yo voyer jeter bien loin modèle pratique politique anti peuple anti démocratique ak anti républicain sa yo pour Jovenel Moïse démissionner et puis mettre tête li disponible pour la justice pour sa corruption, même l'État a dirigé à reprocher le rapport coup des comptes. Malgré qu'on levé campé dernier temps sa yo, régime en place là, pas arrivé montrer, même dans apparence, c'est pas corruption qui mak fabrique li. Si n'ap suivi dernier série scandalio sorti dans déclaration sénateur Grand Anselin Sorel Jacinthe passé dans président Assemblée nationale la Karl Mira Cantab fini dans déclaration sénateur département Saint-Lan sénateur Willow Joseph ak Kedle Augustin nous réaliser c'est un coup c'est une association malfaiteur qui rivé dans pigou espace direction pays a cap forcer pays a boue yon gouvernement juste pour continuer reproduire tête yo et puis protéger yo à clan politique yo ça montré à clair peuple an gen raison les li di tabou la raza si yo tout d'accord pour utiliser corruption répression ak impunité comme zam contre population hein nous tout doué d'accord résistance c'est seule option pour barrer dilapidateur yo utilisation l'argent position pour influencer affaire l'état c'est gros crime crime nous doué dénoncer et qui doué puni trafic influence abus de confiance abuser pouvoir c'est gros crime d'après code pénal haïtien. Alors qu'il est peuple là dans grosse souffrance pendant ce temps régime qui sous pouvoir a calé lio a utilisé l'argent taxe nous comme fret pour caler nous tant qu'yo habitué fait ça pour acheter balle bay bandi pour massacrer nous les n'a mandé au compte dans situation malouk ça nous pas dormi saluer courage tout citoyen qui continue camper en croix contre régime corrompu Jovenel Moïse PHTK citoyen qui prend béton hein, citoyen qui confronté corrupteur citoyen qui utilisait réseaux sociaux pour continuer bataille là qui continue mander procès Petro Caribe moment mander pour tout monde cap bataille pour la vie dans pays a les épaules pour déraciner modèle gouvernail ça captaille banda dans pays jodi a l'histoire relé chaque citoyen pour bataille contre un pouvoir corrompu qui paraît pour faire tout zac pour conserver pouvoir yo tout citoyen engagé doit barrer projet Jovenel Moïse à calier lio qui dans l'état dans secteur privé a ak international là pour cléter pouvoir nan main corrompu yo pendant nous-mêmes n'ap vive nan crasse inflation la vie chère rate gaz insécurité désespoir qui envahit jeunesse pays a c'est résultat direct corruption impunité ak injustice sociale qui tabli nan pays a journée jodi a nous tout doué d'accord et camper ensemble pour bataille contre système pourri ça qui a fin détruit pays nous et qui voulait détruire la vie nous nous pas dormi renouveler engagement li pour bataille ensemble à tout citoyen honnête qui voulait en Haïti côté justice sociale blaï pour sous tout pays a. Victoire c'est pour peuple cap bataille démission procès prison restitution transition et donc c'est ça nous pas complice nous pas dormi mandé qui pour fait presser presser
Et puis, l'autre fait dans l'actualité a gagné et le ministère de la Justice qui dit le condamner fermement les dérives graves enregistrées le mercredi 11 septembre 2019 dans l'enceinte du Sénat de la République. Les partisans du chaos acharnés des heures durant à offrir un tableau où s'alternaient invectives, menaces, actes de vandalisme, tentatives d'incidents, profanation des espaces abritant le grand corps, ont livré un spectacle véritablement avilissant pour notre République et notre peuple à la face du monde entier. Ces actes inqualifiables sont de nature à galvauder les fruits d'années de lutte, d'efforts et de sacrifices consentis pour instaurer la démocratie pour laquelle les pouvoirs de l'État et tous citoyens doivent œuvrer à la consolidation. Aussi, la justice ne reste pas sans réaction devant de tels actes. Le juge de paix compétent a été sur les lieux pour dresser le procès-verbal du constat des faits. Le parquet, près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, est saisi et l'action publique est mise en mouvement contre les auteurs et co-auteurs de ces actes honteux et répréhensibles. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, soucieux de la préservation des acquis démocratiques, assure que toutes les dispositions seront mises en œuvre pour permettre à la justice de s'élever et de réagir proportionnellement à cet outrage qui obscurcit notre image. Bureau de communication du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Voilà, et puis, l'autre scandale, c'est comme ça, c'est la République des scandales, y'en a beaucoup fini, on l'a éclaté. Eh bien, les sénateurs de l'opposition ont en leur position des documents qui montraient que Fritz William Michel, de 2016 à 2018, a entré entrepris une manœuvre de surfacturation contre l'État. En tout cas, c'est ça, sénateur Yuri La Tortue confirmé nous hier. Il dit les gains preuves, yo n'amène document, yo n'amène côté monsieur Van l'État pour plus passer 1 milliard de goudes sorti 2016 rivé 2018 et que surtout n'a causé si là gain par exemple yo te van et manger à l'État tant coup bête et cabrite, etc. Sénateur La Tortue qui confirmait dans le document ça, les podcasts saisis, les lois, que gagnait à peu près un millier cabrites que le ministre vend à l'État à raison de 31 000 goudes chaque cabrite. J'ai dit, bon, mes amis, cabrite ça, même si la vie a chéré, mais cabrite pas qu'à tourner un bœuf. Cabrite, on va acheter ça, et 4 000 goudes, 5 000 goudes, à la rigueur 6 000, bon, le cas arrivé même 1 400, 1 500 dollars haïtiens, mais arrivé dans 6 000 dollars, les documents ça yo. Alors ça grave dans ça qui a passé là yo. Peut-être l'État qui a pas rendu compte de ça, m'a pas dit ça. Faut nous dire l'État qui a pas rendu compte de ça. Tout scandale ça yo, c'est l'État encore. Parce que l'État yo pas entendu yo. Gen gouvernement qui praler, gon gouvernement qui t'a supposé à remplacer et gouvernement qui était là tout qui connaît toute malversation ça yo tout. Gampil, c'est yo qui a fourni l'opposition document pour yo attaquer propre yo même encore propre l'État parce que ça pas en affaire avec ça. Alors, n'a bien comprendre ça qui a passé là, son l'État en débandade, son l'État tête en bas et parce que moi dis yo gampil information qui tombé dans main l'opposition par exemple document ça yo m'dou là.
et gan pile information sans dans l'état même yo sorti pour yo faire c'est à dessein que yo fait l'opposition joindre ni pour dire mais de moun k'ap présenter tête yo comme sérieux qui pral vin là et cetera qui pral vin et prend poste qui pral changer la république et cetera nous songe samedi dernier dans ramasser moi t'ai parlé d'un message préenregistré vidéo évidemment que sénateur Kedley Augustin fait circuler sur les réseaux sociaux. Il t'ai parlé de toute misère calamité qui a frappé la république et en particulier il t'ai vu sur le cas de Fritz William Michel. Il dit l'entendait déclaration politique générale Fritz William Michel dans chambre député a il était vinn pi triste encore il était vinn pi triste parce que li wè ti mon homme ça semblait définitivement pas konn nan ki ça la rentré et li pas konn nan ki ça la rentré c'était déclaration Kedley Augustin sous gouvernement et si la cap monté et là dans condition que nous connaît. Et puis pénurie gaz mes amis et crise a poco fini et semblé et solution c'est pas pour demain la veille puisque nous ouais et pendant toute semaine là situation très compliquée c'est vrai en pile station d'essence essayer livrer j'en yo capable gaz là des fois au compte goutte mais ou qu'on y a haïtien vinn pas peur la nuit encore ou quand dans des nèg jou à 6h 7h pas prendre dehors mon cher ou mettre passer 1h 2h du matin pour un nèg dans ligne attendre dans demain matin pour si pompe à l'ouvrir etc. Et situation extrêmement compliquée et compte des informations qui fait comprendre que pompio yo responsable yo ceci anadip t'est obligé sorti un communiqué pour le dire que yo pa gen rien pour yo wè ni nan commande gaz anadip pas commande gaz ni nan fixer prix gaz yo pas responsable question si là c'est pas yo la donne pour moun pa chita a plonger doit sou yo pour grand merci sous question hein. Et nous ouais que pendant toute semaine là gagne des rencontres aussi qu'a multiplié gouvernement sans doute l'a marché vers semaine prochaine là yon augmentation du prix de l'essence à la pompe en tout cas moi penser sous peut-être éventuellement prochain arrivage là prochaine commande là nèg yo envie fèl mais plusieurs syndicalistes qui étaient intervenus hier dans l'émission intersection Aven t'est clair pour dire que dans toute rencontre yo gagne que ce soit avec premier ministre Lapin ou bien avec ministère finance yo te dit dans conjoncture nou ye journée jodi a li matériellement impossible pour l'État d'augmenter prix de l'essence à la pompe. Ça veut dire son pouvoir qui asphyxié parce que li non situation côté yo pas qu'à continuer subventionner gaz là, li coûte très cher. Nous avons plusieurs notes qui sont sous ça et en même temps tout à qui figue ou pour le camper devant peuple ça qui j'en y est là, aux abois, qui pas qu'à voir tout le monde l'école, maintenant, monsieur Clario, là, tout le dîme, les tout le monde n'y a pas rentrer, même là, oui, domo. Tout le dîme, pas y'a pas qu'à aller, et dans le contexte, ça, pour ta vin annoncer augmentation du prix de l'essence à la pompe, ça a pral extrêmement compliqué, vraiment pas contre, comment, et pouvoir pral sorti dans dilemme ça son vrai dilemme c'est vrai syndicaliste toujours dit pas gain subvention moi même pas ka deal parce que moi ouais ni pouvoir deal moi ouais ni et compagnie association qui n'a fait pétrole dans secteur privé a yo même yo deal tout gagner subvention yo deal et que est-ce que l'état a arrêté le camper
et augmentation, yo pas même parler de augmentation, yo parler de ajuster priant, ajustement vle dit, ça veut dire son bagage qui a en augmentation sauvage parce que c'est comme si pendant tout temps que prix a tap monté sur marché international là, tout est consenti, ou te consenti pour pas augmenter, c'est comme si ou te calagé tout sous côté off l'estomac peuple là. Parce que, en pile analyse dit, si on t'a considéré tout ça, l'État, taxe l'État, t'es doué prend, et ça l'a payé, qui fait le doué, compagnie, à peu près 6 milliards de gouttes là, si pour l'État prend tout comme ça, 80, à peu près 80 gouttes qu'elle baille, et on 70 gouttes taxes que pour l'État prend encore, ça t'a poté, n'ayant augmentation d'à peu près 150 gouttes, si ça fait, eh bien, pas caché le jour, je pense que son république tête en bas que n'a gagné n'en mène. Les amis, sur tous les réseaux sociaux, de mon bagage, ça a vini viral, que y a dit, est-ce qu'il est possible pour un cabri de vendre 31 000 goudes? Ça, difficile, c'est pour un petit bœuf ou à pas acheter, il va gagner 31 000 goudes. Alors, les bagages, ça a arrivé, c'est pas moun nan bénéficier là seulement que responsable. Moun nan l'État qui accepte payer un cabri 31 000 gouttes là pendant lui-même bon la kaili, l'el voye acheter un quoi des bouquets au bel azaline, li connaît c'est pas 31 000 gouttes li voye ba li. Donc l'el fait, certainement, gen suspicion de peau de vin. Avait dit moun nan jwenn ni an, le plus souvent le gon deal pour le fait. Et c'est ça que fait yo accorder. Et bagay sa yo, yo grave, puisque document yo toujours existé, yo là. Et, sénateur ou gen tout nan men. Par exemple, même affaire démenti ou sénateur a monté dit nan radio etc. gen des sénateurs qui gen enregistrement sénateur qui t'a révélé yo mais comment kobla reparti mais qui est-ce qui joine mais comment le te joine ou même sont expliqué nous tout à l'heure comment te fait réunion en fait kayon sénateur mais pas kay président groupe là parce que président groupe là pat là président groupe là pat là apparemment mandé autre réunion, moun ki tap recevoir là pour le principal là pour lui. Est-ce que comprenez? Gen deux moun ki te joine dans réunion antérieure avec premier ministre là, yo te déjà offri yo, yo te déjà ba yo poste ministre. Donc premier ministre là pensait le te fini avec yo, mais là et moun sa yo tande que gen gros cop kap ba yo pété coquin, yo levé rob yo, yo dit faut que yo joine dans cob là tout. L'autre qui vini, on sénateur paraît, li pété coquin, li dit non bal trop menti, li gen des directeurs de, dans département pal, etc., que yo te dit, on pral nommer, au contraire, c'est révoqué, le fâché, là, l'il pas prend l'argent, et yo, information sénateur, au ben moins, dit que premier ministre, là, les lois, ben, là, mais les nommés, li obligé, les présidents, et, nan demain matin de très tôt avant sénateur après la presse yo relé yo dit OK et direction côté mandé dans administration publique là apparemment sous la lui yo dit ou gayen et puis monsieur passé prend cobli gen sénateur qui ouais que monsieur joine et cob et belle direction ça yo pété coquin al joine l'opposition yo dit un nous pas d'accord comme ça donc c'est comme ça d'ailleurs zin prend la rue. C'est comme ça l'expliquer. L'opposition semblait gain même enregistrement de ba parole sa yo qui fait que si gon commission d'enquête moi même parla à plusieurs sénateurs matin avant me venir en onde, yo dit non ça pas fait l'ombre d'un doute que cob la bay même si premier ministre l'a dit pas de gain discussion ça mais cob la te bay. Alors voilà l'essentiel de l'actualité et puis pas oublier nous dit gain plusieurs côtés qui te gain problème cabaret mon yo relé en pile pompon qui en très mauvais état et que mon yo mandé pour yo aménager une déviation mais sous pont ça apparemment gain banque mondiale qui et dans deux à trois semaines qui promettent qu'ils t'abaillent, mais mon yo besoin en attendant, y a une déviation que travaux publics fait pour machine yo passer en toute sécurité en attendant que yo mettez un autre pont sous rivière là et port de paix, t'es gain gros manifestation
hier dans la ville là pour plusieurs bon c'est contre pouvoir et puis contre toute bagaille qui a brassé bill notamment problème courant etc. Voilà c'est de tout ça que nous allons parler dans émission ramasser matin hein, nous mandé et invité au pour faire sacrifice rivé bonheur c'est chaque samedi nous toujours mandé ça sacrifice rivé bonheur bon Dieu fait nous-mêmes nous conscients que grand pile gros sujet qui a mérité que nous vienne bay éclairage non lumière non pour nous permettre que peuple là connaît côté le praler dans situation qu'on compliqué ici là et oui gain nous pas complice tout nous pas complice qui mandé population haïtienne nan pour le tomber non désobéissance civile pour le forcer Jovenel Moïse quitter pouvoir nous pas complice appelle la population haïtienne à la désobéissance civile lors de la conférence donnée hier vendredi 13 septembre 2019 au jardin Kiskeya pour continuer exiger démission Jovenel Moïse qui fait preuve de son incapacité à gouverner depuis plus de 2 ans pour aboutir à procès Petro-Caribéa. Et Ricardo Florino, porte-parole groupe Petro-Challenger ou pape complice, profiter de l'occasion pour le dénoncer Premier ministre Fritz William Michel qui déjà est plongé tête baissée dans corruption en achetant les votes de certains sénateurs à raison de $100,000 américains chacun a révélé le sénateur Sorel Hyacinthe. Il a aussi dénoncé cette soi-disant rareté de carburant sur le territoire national, ce qui est une manœuvre pour prétexter l'augmentation du coût du carburant, forçant le peuple à s'approvisionner dans le marché noir au prix fort. Une raison de plus pour entrer en rébellion contre ce pouvoir anti-peuple. Et c'est ça. En tout cas, Gain Boudère brillant, qui, porte-parole nous pape complice, saluer l'effort de rassemblement constaté au niveau des forces vives de la nation, surtout les regroupements politiques et organisations sociopolitiques dans la perspective d'une alternative commune pour l'après-Jovenel Moïse, tout en encourageant la population haïtienne à garder la flamme de la mobilisation jusqu'au chambardement de ce système. C'est ça et qui gagne dans l'actualité pour journée jeudi samedi 14 septembre 2019.